Alors aujourd'hui, je vous propose, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de parler des ingrédients concernant ce produit-là. C'est une crème pour le visage Hydra Pro D de chez Kiko avec avec l'acide hyaluronique. Tant que j'ai encore cette crème, que je ne l'ai pas encore finie, et c'est loin d'être le cas, on peut tester, vous allez au moins voir la structure de cette crème, comment elle se présente, comment elle s'applique et comment elle est tout simplement. Elle est assez bien au niveau de toucher, elle est assez veloutée, assez fraîche et puis ça se répartit très très bien sur la peau, mais ça ne pénètre pas la peau. Voilà. Donc ça reste souvent en surface, l'odeur est légèrement présente, mais présente quand même. On sent quand même le parfum de cette crème. Donc on va en parler, voilà comment elle a été présentée dans cette jolie boîte. Ce que j'aime dans cette boîte, c'est qu'elle ne soit pas en carton, qu'elle soit un petit peu plastifiée, et de ce fait, elle ne sera pas très abîmée dans une pièce humide comme la salle de bain ou salle de douche. Donc dans cette crème, il y en a 31 produits. 31 ingrédients, ça fait un petit peu beaucoup. Donc le premier, c'est de l'eau, donc ingrédient nécessaire à chaque crème. Le deuxième, c'est butylène glycol. Et donc butylène glycol est d'origine végétale et synthétique. Il a pour les fonctions donc humectant, agent masquant, solvant, agent d'entretien de la peau, agent de contrôle de la viscosité. Il peut entrer dans la composition des parfums. Il n'est pas soumis à restrictions ou conditions d'emploi. Il est présent dans 10% des cosmétiques comme soins des yeux 42%, mascara 37%, soins anti-âge 36%, soins acné et imperfection 35%, régime et minceur 26%. Ensuite, on passe au produit numéro 3 qui est éthylexylmétoxycinamate. C'est un filtre solaire anti-UV et protecteur de formules cosmétiques. Considéré comme perturbateur endocrinien, selon l'association Le Fessé Que Choisir, les recherches sur cet ingrédient ont démontré in vivo, une perturbation des œstrogènes et de la fonction thyroïdienne. Pourtant, il est assez souvent utilisé, y compris dans les produits sensibles, comme les sticks pour les lèvres, produits parfois appliqués quotidiennement, restant longtemps en contact avec les muqueuses et dont de petites quantités peuvent être avalées, ou des gammes dont le marketing insiste sur l'absence de parabens et autres composés connus du grand public par leur toxicité. En quatrième place, on va retrouver Octocrylène. Octocrylène, c'est un produit d'origine synthétique qui a pour fonction pareil, filtre UV et absorbant UV. Il peut être utilisé dans tous les types de cosmétiques et il peut être aussi allergisant. En place 5, on retrouve Dimethicone, donc qui est silicone. Il est en silicone et les silicones, vous savez tous que ça ne vous procure rien de bon, mais rien de mauvais non plus, à part vous boucher les pores. Et puis vous formant un film plastifié qui vous protège un petit peu des intempéries de dehors, mais ne vous fait de rien de bien au final pour votre peau. Donc, butylméthoxydibenzolyméthane, c'est un produit numéro 6. Et ça, c'est d'origine chimique et synthétique. Il perturbe les hormones et pollue l'environnement. Ses fonctions sont donc le filtre UV et absorbant UV. Peut être utilisé dans tous les types de cosmétiques. En position numéro 7, on retrouve hydroxyéthylacrylate sodium acrylate ou bien slash, donc c'est sodium acrylométhyl taurate copolymère. Mon Dieu, tous ces noms-là, c'est quand même pas possible. Je vais vous alléger la tâche pour les prochaines vidéos. Et donc ça, c'est d'origine synthétique. Ses fonctions sont stabilisateur d'émulsion, agent opacifiant, agent de suspension, agent de contrôle de la viscosité. Il n'est pas soumis à restrictions aux conditions d'emploi. Ensuite, on retrouve en 8e place niacinamide. Et niacinamide, c'est un B3, c'est une vitamine hydrosoluble tout simplement. Pourquoi ne pas l'appeler tout simplement une vitamine B3? Je ne comprends pas pourquoi pour compliquer la chose. Elle est formée de deux composés, l'acide nicotinique et la nicotinamide. Ses propriétés sont l'amélioration de la fonction de barrière de la peau et réduit l'irritation et présence
d'agents irritants tout en améliorant la texture de la peau, l'accélération de la différenciation cellulaire et la cicatrisation. La vitamine B3 est un actif hydratant pouvant être utilisé pour lutter contre les états atopiques et les sécheresses cutanées. Il booste la microcirculation de la peau, améliore l'élasticité de la peau, a des effets anti-inflammatoires. Et voilà. Bon, jusqu'ici, rien de très très grave, je pense, mais rien de super bon non plus. À la place 9, on retrouve potassium, cétyl, phosphate. Et ça c'est un nom générique pour des sels formés des ions. Phosphate et potassium résultant de l'attaque de l'hydroxyde de potassium par l'acide phosphorique. Dans l'alimentation, il est utilisé comme additif alimentaire E340. Il est utilisé comme régulateur alimentaire de pH, agent émulsifiant, séquestrant alimentaire, stabilisant, agent de rétention d'eau, d'humidité, donc humectant. À la place 10, on retrouve phénoxyéthanol. Il fait partie de la famille des éthers de glycol, directement issus de la distillation du pétrole. Peut induire les effets neurotoxiques et des troubles neurologiques. Un potentiel allergisant et reste autorisé. Pas de phénoxyéthanol dans les labels bio. Ensuite, la place 11, squalane. Et donc, squalane porte atteinte à la biodiversité marine, d'origine synthétique, animale et végétale, donc très divers. Possède une excellente affinité avec la peau et les cheveux, permet de restaurer la barrière lipidique cutanée, bon émollient, hydratant indirect, pénètre très facilement dans la peau. Ensuite, on retrouve glycérine à la place 12. On avait déjà vu ce glycérine plusieurs fois. Je pense que vous le connaissez déjà par cœur. C'est un alcool et se présente sous la forme d'un produit incolore, indolore et d'aspect visqueux. Il est largement utilisé dans les produits alimentaires parce qu'il retient bien l'humidité et un bon support d'arôme. Et est un émulsifiant, un stabilisant et un épaississant. Dans les cosmétiques, la glycérine peut être fabriquée par synthèse de dérivés pétrochimiques ou bien à partir de graisses animales ou végétales, avec de l'huile de coco ou de soja notamment. Elle donne l'onctuosité à de nombreux produits, a un fort pouvoir hydratant. Sa fonction occlusive permet à la peau d'être protégée des agressions extérieures telles que le vent et la pollution. Très bien tolérée par la peau, les allergies sont rares. Sur les emballages, glycérine prend la dénomination glycérine ou glycérol. Pas danger pour la santé, mais pour l'environnement, car issu de dérivés du pétrole. À la place 13, on retrouve acrylate / C10-30, alkyle acrylate cross polymère. Et donc ça, c'est non toxique. Il améliore la sensation agréable de la lotion. Est un épaississant approprié pour une utilisation dans les formulations qui exigent l'apparence supérieure, une clarté exceptionnelle, la fluidité et la suspension ou la stabilisation des propriétés. Il offre les performances efficaces dans une large gamme de pH, avec une efficacité plus grande viscosité à pH 5, ceci avec une large comptabilité, avec généralement utilisé ingrédients cosmétiques. Le polymère s'utilise dans des applications de soins capillaires et de la peau. J'espère que j'ai rien raté parce que ça me paraît un peu bizarre ce descriptif. Donc en place 14, on retrouve aluminium starch octane-leucicinate d'origine synthétique hydrogénoctanidionate d'amidon, donc sel d'aluminium. Cette substance est un toxique puissant et reconnu du système nerveux humain. À la place 15, on retrouve caprylil, glycol, éthylhexyglycérine. À la 16e place, on retrouve diméthiconol, donc c'est encore un silicone. En 17e place, on retrouve parfum, fragrance, donc le parfum. En 18e, c'est tocophéryl acétate. Donc, ou bien c'est une vitamine E en fait. C'est un ingrédient antioxydant de référence qui protège la peau des phénomènes oxydatifs. Améliore la fonction barrière de la peau.
lutte contre les manifestations inflammatoires, lutte contre le stress oxydatif des cellules. Son dérivé acétate le rend particulièrement actif sur la peau, contrairement à son équivalent tocophérol. Indiqué pour les peaux fatiguées et dévitalisées, il a des bénéfices sur l'élasticité de la peau et la protège notamment des dégâts dus au rayonnement solaire. Ensuite, polysorbate 60. C'est un produit synthétique fabriqué à partir de sorbitol O420. Contient des acides gras presque toujours issus des huiles végétales, mais l'utilisation de graisses animales, notamment de porc, n'est pas exclue et demeure à la discrétion du producteur. Listé comme émulsifiant et stabilisant, il y reste toxique. Sodium hydroxide, on l'a déjà vu, désigne la soude caustique et corrosive et fortement irritante à l'état pur. En réagissant avec les acides gras, il accomplit la saponification qui donne des pains de savon solide. À la fin de ce procédé, il peut être utilisé sans danger pour nettoyer la peau. Il ajuste le pH, un régulateur de pH, diminue l'acidité du produit final. En place 21, on retrouve disodium hepta. Là, je vous dis, je reste assez perplexe par rapport à ce produit parce que j'ai trouvé plein d'infos là-dessus. Il y en a qui disent qu'il est indispensable à notre cosmétique et d'autres qui disent qu'il faut le fuir et éviter. Donc, ETA, ça veut dire tout simplement éthylène diamine, l'acide éthylène diamine tétraacétique ou bien acide édétique. C'est un séquestrant très largement utilisé dans le domaine cosmétique. On a recours à différents sels dont les noms INCI sont les suivants. Donc ça peut être calcium disodium hepta, diammonium hepta, dipotassium hepta, disodium hepta certainement le plus utilisé, disodium hepta copper et trisodium hepta. Il permet d'adoucir l'eau pour les lessives par exemple, évite les phénomènes d'intartrage, c'est un antioxydant, sa présence est indispensable dans certains nombres de produits, c'est ce que je viens de vous dire, ou bien à éviter. Il est bien toléré par la peau et la muqueuse. Bon, je ne sais pas, j'ai un doute. Sodium hyaluronate. L'acide hyaluronique est présent naturellement dans divers tissus du corps, comme la peau. C'est d'ailleurs l'un des composants principaux de l'épiderme. Les laboratoires de cosmétiques naturels synthétisent ces filaments par la fermentation de bactéries. Utilisé pour d'excellentes propriétés hydratantes, à l'action lissante et raffermissante, apporte à la peau des composants gras et relipidiens nécessaires à l'équilibre cutané. À la place 23, on va trouver d'éthylexyl syringylidé. Némalonate. Mon Dieu, je suis désolée pour la prononciation, c'est juste impossible à lire. Et là, c'est un agent de protection de la peau, aide à éviter les effets néfastes des facteurs externes sur la peau. À la place 24, on va retrouver sorbitan, isostérate mica. Ça, c'est d'origine végétale, synthétique et animale, donc diverses origines, fonction agent émulsifiant et les non soumises à restrictions aux conditions d'emploi. À la place numéro 25, on va retrouver caprylique ou slash caprique triglycéride. C'est une combinaison de deux esters d'acide gras. Cette combinaison est une huile légère apaisante qui a d'excellentes propriétés dispersives et convient également aux peaux sensibles. Les esters d'acide gras proviennent d'huile végétale. À la place 26, on va retrouver portulaca oleracea extract. Donc c'est un extrait de pourpier, en fait pourpier ou pourpsolène, on l'appelle comme ça. C'est une espèce de plante herbacée aux tiges rampantes utilisée en phytothérapie. Elle est riche en oligo-éléments, potassium, magnésium, calcium sont abondants. Et elle est riche en vitamine C, B et en carotène. La place 27 est attribuée à Nicotiana silvestri leaf all culture. Mais on ne l'a pas vu, donc ça doit être en... On ne l'a pas vu, bon bref. On ne l'a pas vu, je ne l'ai pas vu celui-ci. Bah, je laisse tomber. Nicotiana, je pense qu'on a déjà vu un truc qui ressemble à ça. Limonène, à la place 28, qu'on avait déjà étudié. Limonène, c'est un hydrocarbure
terpénique, qui est présent dans de nombreuses huiles essentielles utilisées en parfumerie, caractéristique des agrumes utilisés dans les produits nettoyants pour son odeur rafraîchissante, orange, citron, et son effet dissolvant. Utilisé pour le dégraissage des machines, en grande concentration et irritant pour la peau, donc agent anticancéreux. En place 29, on retrouve citronellol. C'est un composé naturel de diverses huiles essentielles utilisées en cosmétique pour leur propriétés olfactives. Il fait partie des 26 substances parfumantes qui, depuis 2005, dans l'Union européenne, doivent figurer dans la liste des ingrédients INCI dès que leur concentration dépasse un certain niveau, en vue de protéger les personnes allergiques à ces substances. À la place 30, on va retrouver donc les colorants et la place 31 pareil. Donc 30, c'est un CI77891 titanium dioxyde. Et ça, c'est un oxyde métallique, c'est-à-dire un pigment minéral blanc, insoluble et hautement couvrant. Il est fabriqué dans la croûte terrestre. Et en plus de ses propriétés en tant que pigment de couleur, c'est également un filtre minéral aux rayons UVA et UVB. Et en place enfin le dernier, donc 31, c'est un CI17200 Red 33, donc le rouge, un colorant rouge synthétique. Colore les cosmétiques et ou confère une couleur à la peau. Enfin, pour vous dire, je ne suis pas très emballée non plus par ce produit. Il y a plein de trucs qui, pour moi, je trouve complètement inutiles dedans, mais ils y sont. J'ai pas vu beaucoup de conservateurs, j'ai surtout vu beaucoup d'agents émollients, d'agents antioxydants. Enfin bon, voilà. À vous de juger. Bon, j'ai oublié deux petits ingrédients, c'est pas bien grave, je pense que vous pouvez les consulter. Mais 31 ingrédients, je vous avoue, c'est quelque chose d'assez énorme pour un produit plus ou moins naturel. Bon, ils le prétendent pas que ce soit quelque chose de naturel. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez chimique en revanche. Voilà, bon, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !